Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce second speech drawing durant lequel nous allons parler du Chapelier fou. Le Chapelier a été créé en 1865 par Lewis Carroll pour son livre Alice au Pays des Merveilles. En revanche, l'importance du personnage dans l'histoire était bien plus minime qu'elle ne l'est aujourd'hui, Disney aidant la popularité du personnage. Au fil du temps, le Chapelier a pris de plus en plus de place dans l'univers d'Alice au Pays des Merveilles, jusqu'à devenir l'un des incontournables de l'histoire. Si bien qu'aujourd'hui, il est presque impossible d'avoir une Alice sans son chapelier. L'histoire de Lewis Carroll a compté des adaptations à foison, et il serait impossible de tous vous les citer. En revanche, voici ce qui, à mon sens, mérite le coup d'œil. Commençons tout d'abord avec le dessin animé de 1951, considéré comme le 13e classique Disney. Le chapelier n'y figure finalement que dans deux très courtes scènes, mais il va laisser une empreinte marquante sur tout le film. Dans la lignée des Disney, nous avons aussi un film réalisé en 2010 par nul autre que Tim Burton, où le Chapelier est incarné par Johnny Depp. Nul doute qu'il s'agit là de la version de l'histoire où le Chapelier prend le plus de place, jusqu'à devenir un personnage plus important qu'Alice elle-même. Mais en atteignant un plus grand rôle, il perd de sa folie tout en gagnant en émotion. On le voit aussi dans une version plus libre dans le jeu American McGee's Alice, un univers plus sanglant et plus pervers que l'image traditionnelle du Pays des Merveilles. Il est ici représenté comme un savant fou obsédé par le temps. Une autre adaptation qui me tient personnellement à cœur, c'est le Chapelier fou présent dans l'univers de Batman. Il s'agit là d'un redoutable psychopathe fasciné par les récits de Lewis Carroll et qui possède par ailleurs un grand don pour l'hypnose. L'histoire même du Chapelier fou a évolué avec les décennies, allant jusqu'à prendre de très grosses libertés avec le matériau de base. En revanche, l'inconscient collectif possède une certaine vision du personnage. Et c'est celle-ci que nous allons voir maintenant. En règle générale, le Chapelier fou est accompagné de son ami le Lièvre de Mars, un animal tout aussi dérangé que lui et qui possède, pour la petite histoire, une maison où tous les meubles sont en forme de lièvre. Si ça c'est pas taré, je sais pas ce que c'est. Ils n'ont donc qu'une seule occupation dans toute leur journée, prendre le thé. Et il ne s'agit pas là d'une simple lubie d'être farfelu, mais d'une condamnation de leur souveraine, la Reine Rouge. C'est ainsi qu'ils sont comme enfermés dans une boucle temporelle où leur seul but n'est autre que de prendre le thé. Mais pour rompre l'ennui, ils animent le repas avec différents micro-événements, comme par exemple devoir changer de place subitement avec son voisin, faire des devinettes improbables aux invités, ou dans la version de Disney, se fêter un joyeux non-anniversaire. Qu'est-ce qui fait que le chapelier est fou? Pour moi, le fait qu'il soit un chapelier, et là je parle de son métier, n'a pas vraiment d'importance. En soi, il pourrait être boucher et charcutier, ce serait la même chose, ça ne changerait pas la personnalité du fou. Ce qui est intéressant, c'est le détournement du métier de chapelier. Visuellement, la folie est représentée par des excentricités qui font tache avec la profession du personnage. Ainsi, dans une version populaire, celui-ci est représenté avec un nœud papillon. Si on recontextualise ça à l'époque où se passe le livre, le nœud papillon est censé apporter une certaine stature à un homme. En revanche là, il est 4 à 5 fois trop grand, ce qui détourne l'objet de son utilité et apporte une touche de folie. Un autre exemple, son chapeau. L'intérêt du chapeau, ce n'est pas que celui-ci soit présent, mais qu'il soit détourné, en étant beaucoup trop petit ou au contraire d'une taille disproportionnée. Et si jamais la taille est proche de la normale, la folie se ressentira dans une surenchère de détails et de décorations. Ainsi, dans la version de Disney, la taille du chapeau est égale aux 2/3 du personnage. Et même si on ne le remarque pas au premier abord, notre inconscient enregistre l'information et adhère mieux à l'idée que le chapelier est fou. J'ai une certaine vision du personnage. Pour moi, le chapelier est à l'image d'Alice au Pays des Merveilles. C'est l'incarnation de la folie. Si on prend le chapelier indépendamment de son univers, c'est juste un illuminé, un taré bon à enfermer. En revanche, si on le contextualise avec les autres que sont le Lièvre de Mars, le chat, la Reine Rouge, eh bien il perd de ses troubles. Il est accepté car cohérent avec l'état mental de ses voisins. Ainsi, quand Alice arrive au Pays des Merveilles et qu'elle tente de raisonner de manière cartésienne et traditionnelle, c'est elle qui est prise pour une folle par les habitants car elle ne pense pas de la même manière que tout le monde. Et au fur et à mesure de l'histoire, elle glisse de plus en plus vers une certaine forme de démence qui lui est propre. Si bien que lorsqu'elle revient dans le monde réel et qu'elle explique ce qui vient de lui arriver, on lui répond tout simplement de ne pas en parler ainsi, car on dirait une illuminée. Alors que pendant un instant, elle s'est juste exprimée comme n'importe quel habitant du Pays des Merveilles. On peut donc imaginer que le chapelier et que tous les personnages qui le côtoient
ne sont que la métaphore selon laquelle la folie ne dépend que du contexte dans lequel celle-ci est présente. Voilà, si vous avez aimé, surtout n'hésitez pas à creuser le sujet, jouer à des jeux, regarder des animés. Quant à moi, je vous dis à une prochaine vidéo. Allez, gros bisous!